Salut à toutes, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo que vous attendez depuis longtemps, c'est un retour de course. Donc voilà, ça fait longtemps que j'ai pas fait les courses parce que j'avais acheté pas mal dans les quand il y avait des grosses promos, donc 2 plus 1 gratuit, spécial famille, maxi pack et compagnie. Donc du coup il me restait énormément de choses, donc j'en avais mis dans mon congélateur, etc. Et encore, il m'en reste encore un peu dans le congélateur, il me reste de la viande hachée et des aiguillettes de poulet. Il me reste des œufs, mais c'est normal parce qu'on est allé au marché samedi. Il me reste des légumes, c'est normal parce qu'on est allé au marché samedi. Donc voilà, donc dans mon retour de course, il n'y a ni œufs, ni œufs, ni légumes. On dit ni œufs ou ni œufs? Bah réponds-moi, au lieu de me regarder et de te moquer de moi. Ni œufs. Ni œufs, bah de mieux en mieux. Bon, on va dire, il n'y a ni œufs, ni légumes parce que JD, il fait le marché le samedi matin et du coup, il ramène tout ce qu'il faut pour la semaine, étant donné que moi, je travaille. Je ne peux plus y aller. Voilà, ça c'est pour les nouveaux qui arrivent sur la chaîne et parce que ceux qui me suivent depuis très très longtemps, ils savent que le samedi matin c'est marché, mais que comme je travaille, c'est JD qui gère. Voilà, voilà. Donc au niveau du frais, donc tout est un peu mélangé dans le frais, mais tout reste avec le frais. Ah, j'ai oublié de vous dire les prix, bah, je vous les dirai tout à l'heure. Donc, j'ai premier article. Ça fait longtemps qu'il me fait de l'œil. C'est de l'île flottante, à la noix de coco sur un lit de crème chocolat. Donc ça c'est tout ce que j'aime, la noix de coco, le chocolat. Donc j'ai hâte de tester et je vous en dirai des nouvelles. J'ai trop du mal à parler, c'est un sketch. Je vous en dirai des nouvelles si j'ai aimé ou pas, ce que j'en ai pensé. Après c'était pas très cher, enfin c'est pas très cher pour ce genre de truc. C'était 2 €, donc c'est la marque Délice. Donc c'est la marque repère de Leclerc. En gros, c'est la sous-marque de Leclerc. Donc voilà, 2 €, ça fait 50 centimes le yaourt. Oui, oui, j'ai trouvé ça toute seule. Bref, j'ai trouvé que ça allait, quoi. C'était pas très cher. Ensuite, quand je vous dis tout est mélangé. J'ai pris des dos de cabillaud. Donc voilà, des dos de cabillaud simples avec une rondelle de citron. En gros, je crois que c'est à faire cuire au four. Ouais, voilà. On peut les faire cuire soit à la poêle, soit au four. Moi, souvent, je les fais au four avec du riz et une sauce crème champignon. Donc voilà, j'ai pris ça. Là, l'hiver reprend. Alors, tous les matins, Thiago, il prend un verre de jus pressé, enfin, un verre de jus frais. Je prends la marque Innocent, mais des fois, ça m'arrive de prendre la sous-marque. Là, la sous-marque ne me plaisait pas. Au niveau de la date de péremption, ça me convenait pas. Donc, en fait, en gros, pour la sous-marque, fallait le boire aujourd'hui et demain, et après, c'était périmé. Donc, voilà, celui-là, il va jusqu'au 20 novembre. Donc, ça me pousse quand même un peu, sachant qu'il y a moi, enfin, il y a Thiago et moi qui en buvons. Donc, voilà, ça va nous faire la semaine, ça va aller. Ensuite, pour mon petit chéri, il était pas là pour faire les courses, il m'a laissé toute seule avec Thiago. Je lui ai dit plus jamais tu me fais un coup pareil. Thiago, il voulait tout dans le magasin. Il criait quand je lui disais non. Il réclamait des trucs aux gens. Enfin, s'il y avait des gens qui avaient du pain dans leur panier, il disait « Pain, madame, s'il te plaît !» Non, mais là, il faisait la manche. Je ne savais plus où me mettre. Enfin, bref. Après, il y avait une dame qui avait un gel douche ou un shampoing Nivea. Lui, il montrait la dame et disait « Nivea ! Nivea !» Je ne savais plus où me mettre. Enfin bref, je lui ai dit plus jamais tu me le laisses pour faire les courses. Et, enfin voilà, bref. Il disait à la caissière, bonjour madame, c'est madame, c'est pas monsieur, hein, c'est madame. Je ne savais plus où me mettre. Bref. Donc j'ai pris pour JD des tiramisu au citron, donc il les a jamais goûtés. J'espère qu'il va aimer. Je t'ai acheté ça mon chat. Je viens d'entendre. Oui, tu viens d'entendre, d'accord. Donc voilà, j'ai pris la marque repère, donc c'est Délice. Donc JD vous dira ce qu'il en a pensé et je vous mettrai ça dans les produits terminés. Enfin d'ailleurs, les nouveaux trucs que j'ai achetés, je les mettrai dans les produits terminés. Toujours pour mon petit chéri. Il est content, hein. Toujours pour JD, je lui ai acheté la tarte au citron meringué bonne maman. Et j'ai trop du mal à parler, ce retour de course est désagréable. Je suis désolée. Donc voilà, ça se présente comme ça. C'est une tarte au citron meringuée. Voilà. Donc,
JD va goûter, moi j'aime pas le citron, donc voilà, JD goûtera et il me donnera son avis. Ensuite, dans le frais pour Thiago, j'ai eu envie de tester, parce que Séverine de la chaîne Mumflower Blog, elle achète beaucoup les gourdes de yaourt. Et moi, Thiago, il veut plus manger les yaourts à la cuillère. Il veut même plus qu'on lui donne. Tout ce qu'il fait, c'est patauger, mettre les mains dedans, croire que c'est de la crème, enfin bref. Donc du coup, je me suis dit que comme il mange beaucoup des compotes comme ça, je pouvais lui prendre des yaourts en gourde. Donc là, je lui ai pris les Nesquik. Voilà, c'est ceux qui connaissent les petits Swiss Nesquik, je pense que c'est exactement ce qu'il y a dedans. Donc voilà, j'en ai pris d'autres. Je lui ai pris des petits filous en gourde aussi à la framboise. Donc Thiago, il aime beaucoup la framboise. Donc voilà, je lui ai pris ça. C'est vraiment pour lui faire plaisir. Ensuite, il y avait une promotion sur les danettes. Donc c'était soit vanille, soit chocolat. Moi, j'ai pris au chocolat, hein, comme d'habitude. Donc voilà, des danettes au chocolat. Qu'est-ce que j'ai pris? Ah, on va ce midi normalement, parce que là il y a le parrain de Thiago qui arrive. Bref, on va manger une raclette. Donc voilà, j'ai acheté un assortiment. Donc il y a 4 jambons crus à host, 6 rosettes, 6 bacon et 6 copa. Donc voilà, de quoi faire de la raclette quoi, pour 3. Voilà, Thiago il mangera une pomme de terre et du fromage, parce que ça, je ne l'aime pas trop. J'ai acheté 4 tranches de blanc de poulet, donc toujours de la marque Tradiège. Ensuite, pour un soir ou un midi, sachant que moi le midi je rentre tard, j'ai pris des tagliatelles aux œufs frais fraîches. Des tagliatelles aux œufs frais fraîches. Hein ? Non, des tagliatelles fraîches aux œufs frais. J'ai du mal aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai, mais j'ai du mal. Ensuite, j'ai pris du jambon, donc le tradilège ne me plaisait pas niveau ça, là, parce que moi je suis chiante avec ça. J'aime pas quand il y a des petits bouts de gras, et là il y avait un bout de mer, donc ça me plaisait pas. Donc du coup j'ai pris du Herta, j'ai pris le bon pari, à l'étouffer en tranches épaisses. Donc voilà, j'ai pris ça. J'ai pris des dés de jambon pour manger avec justement les tagliatelles fraîches. Donc on va faire ça avec de la crème, des champignons. Donc, voilà un peu de trucs. J'ai repris, parce que ça fait longtemps que j'en ai pas acheté, au moins un mois, des gnocchis au fromage. Donc vous les connaissez, hein, je les achète très régulièrement. Déjà parce que j'adore, il adore, et que Thiago en mange quelques-uns aussi. Excusez-moi. Ensuite, j'ai acheté, c'est en promotion, j'ai acheté des cordons bleus, donc de poulet. Donc voilà, des cordons bleus, c'est tout simple. Je prends toujours la sous-marque, la marque Pique Express. Donc moi, ça ne me dérange absolument pas de manger de la sous-marque. Ensuite, et c'est les dernières choses pour le frais, j'ai acheté du coup, pour ce midi, de la raclette entremont. Donc il n'y avait que de la sans croûte. Moi ça me dérange pas de manger avec de la croûte, mais là c'était en promotion, c'était moins cher, donc du coup j'ai pris la entremont. Voilà, donc là concrètement ce qui va se passer, qu'est-ce que t'as toi? Concrètement ce qui va se passer, je vais ranger tout le frais là dans le frigo et tout, j'ai le hockey pardon, et je vous reprends tout à l'heure pour le reste. Donc me revoilà, pour ce soir j'ai pris des haricots rouges pour faire le chili, donc il me restait de la viande hachée, de la grosse promo là, à 2+1 gratuit. Donc du coup j'ai repris des haricots rouges, je n'avais plus de maillot et toute celle que j'ai testée c'était de loin, enfin par rapport à celle-là est de loin la meilleure, donc c'est la Amora mayonnaise fine, recette fouettée au blanc d'œuf. Donc pour moi elle ressemble plus à la mayo maison et je l'adore cette, si vous voulez une bonne mayonnaise, celle-là sans hésiter, celle-là. Pour petit Thiago, quand il va au pot, quand il me demande le pot et qu'il fait ses besoins dedans, je le récompense toujours avec soit un bonbon, soit un gâteau, etc. Donc voilà, je lui ai acheté
Oui, je sais, c'est peut-être pas très bien, mais en fait, il est très content et ça fonctionne bien. Donc, voilà. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu vas aller chercher tonton? Doucement, avec ma caméra, s'il te plaît, tiens. Désolée. Donc, voilà, je... Et puis, c'est des kinders, quoi. C'est pour moi. Désolée pour les gazouillis, mais il y a mon nain qui est là. Il était dans sa chambre avec son papa, mais là ils vont aller chercher son tonton à la gare. Donc voilà. J'ai racheté de la purée mousseline une personne. Donc voilà, ça, j'ai l'habitude de la prendre. C'est que comme JD travaille le soir, et que moi des fois le soir, j'ai pas envie forcément de l'attendre pour manger. Et j'ai pas envie de manger les purées que je fais à Thiago. Ça me convient bien avec une tranche de jambon. C'est parfait. Ensuite, je me suis acheté de chez Roaco. Qu'est-ce qui se passe? Ah, tu t'es connu. J'arrive même pas à parler. Des Roaco veloutés de tomates. De tomates, pardon. Ensuite, en promotion, en fait, avec le code, enfin avec notre carte Leclerc, on a des promotions sur internet, en fait, par rapport à ce qu'on a l'habitude d'acheter. Donc moi, j'avais 70 centimes qui revenaient si j'achetais ça. Enfin, 70 centimes de réduction si j'achetais ça, parce que j'en ai acheté beaucoup l'hiver dernier. L'exploration, c'est ma passion, ouais. Donc voilà, c'est Potiron et Kiri. Thiago, il aime bien, j'aime bien aussi. Voilà. J'ai pris une petite soupe veloutée de 10 légumes. Donc ça, c'est pareil, c'est pour moi le soir. Quand j'ai pas envie forcément d'attendre JD, une soupe et un yaourt, ça me suffit amplement. Donc voilà. Le fameux bout de pain que Thiago a réclamé à un client du magasin. Tiens. Ensuite, en promotion... Qu'est-ce que tu fais? Non, non. Ensuite, en promotion, il y avait ceci. Donc, c'est de la pulpe de tomate. Donc, j'en utilise beaucoup quand... On va dire quand c'est la dèche. Quand je sais plus quoi faire à manger, j'en mets dans du riz, dans des pâtes. Ça change tout de suite le goût. Donc, voilà. Et je vais en mettre aussi une boîte dans mon chili. Donc, voilà. En promotion, il y avait les galettes aux céréales de la marque Björg. Donc c'est de la galette bio, je les connais, je les ai déjà goûtées, etc. Donc là j'ai pris légumes du soleil, donc je les aime beaucoup. Moi ça le soir avec une soupe ou ça le soir avec une soupe et un yaourt, ça me fait mon repas complet. J'ai pris aussi Alimental. Donc ça c'est pareil, Thiago il aime bien mais il n'en mange pas, il en mange pas un entier, un demi, ça lui suffit amplement parce que je pense que c'est lourd pour lui. Mais il aime bien beaucoup. Il aime bien beaucoup ça, oui. Il aime beaucoup ça, donc voilà. Ensuite, au niveau des gâteaux pour le petit déj, vous savez que moi le matin je me lève très tôt et j'ai pas forcément. Tu racontes ta vie, toi. J'ai pas forcément envie de prendre un petit déj à 5h du matin. Donc du coup, je m'embarque un truc comme ça où souvent je prends des Belvita. Mais là, j'avais pas envie de Belvita, j'avais envie de ça, de brioche. Donc voilà, c'est la marque Epidore, donc c'est la marque repère. Hein, et c'est aux pépites de chocolat, c'est en sachet individuel. Tout ce qu'il y a de basique. Ensuite, pour Thiago, je lui ai acheté, il y avait en promotion, des cracottes au chocolat. Donc voilà, il en a mangé une dans le magasin, il a bien aimé. Je l'ai refermé pour faire genre, mais c'est celui-là là qui est ouvert. Mais je l'ai ouvert dans le magasin. Voilà, et il a bien aimé, il a bien aimé. Après, je pense que Thiago, il était un petit peu fatigué ce matin, parce qu'il a fait la java toute la nuit. Donc, évidemment, pour faire les courses, il était un petit peu désagréable. Donc du coup, à chaque truc que je lui donnais, il en mangeait. Après, il n'en voulait plus, il voulait du pain, après il voulait un autre gâteau. Un gosse, quoi. Donc, pour JD, je lui ai racheté des Grisby. Donc ceux qui ne les connaissent pas, vous avez tort, apparemment. JD, il dit que c'est délicieux. Moi, j'aime pas du tout le citron, donc voilà, j'en mange pas. Mais c'est un sablé avec une crème de citron, une espèce de crème pâtissière au citron. Et JD m'a dit, ça déchire. JD, JD, JD,
les yeux de la dame, oui, il y a les yeux de la dame. Ensuite, oui, la dame. J'ai acheté des napolitains, donc c'est un format familial, il y en a 12 dedans. Voilà. Le nain, là, il a voulu ça. Le nain, il a voulu des délits, je sais pas quoi, au chocolat noir. Je lui ai dit, t'es sûr que tu veux du chocolat noir? Tu veux pas chocolat au lait? Il m'a dit, non, le rouge, le rouge. Bon, bah, prends le rouge, mais je suis sûre qu'il va pas aimer. C'est un peu fort le chocolat noir, mais on verra. Et j'ai racheté des madeleines parce que moi, mon péché mignon... Qu'est-ce que tu fais? Mon péché mignon, c'est de me tremper des madeleines dans une galette au chocolat. Donc voilà, j'en ai racheté. Donc là, je vais ranger tout ça et je vous reprends pour la dernière partie, tout ce qui est produits ménagers, le chat, les couches et compagnie. Donc me revoilà. Donc j'ai pris pour Thiago des couches. Donc j'ai pris les maux d'enfants parce que les couches, ça coûte hyper hyper cher. Et moi, je les achète que quand elles sont en promo. Et il n'y avait pas de promo sur les Lotus et il n'y avait pas de promo sur les Pampers. Donc du coup, j'ai pris celle-ci. D'habitude, je prends l'autre paquet, le maxi pack là. Celles-ci sont un peu plus chères. Elles sont à 8 euros et quelques, 8,80€ je crois. Le pack de 41 couches. Et le bleu que je prends d'habitude mais qui déborde et qui est une catastrophe. Il est à 11-12€ par là. Donc niveau rapport qualité-prix, le bleu est beaucoup plus avantageux. Mais bon, je me suis dit que j'allais tester celle-ci. Peut-être qu'elles étaient un peu mieux. Donc je vais tester celle-ci. Donc voilà, j'en ai pris 3 paquets parce que il me faut bien, pour le mois, il me faut bien 120 couches. Donc voilà. Alors, j'en ai pris 3 paquets, donc je ne les connais pas. Dites-moi si vous connaissez ces couches-là, si vous les avez déjà utilisées. Je pense à des mamans qui me parlent beaucoup sur mes lives et tout, à Morgane, à Kirina, etc. Si vous avez déjà testé ces couches-là et ce que vous en avez pensé. Je sais que Morgane, elle fait ses courses chez Leclerc, je crois. Ensuite, on va passer au rayon ménager, ménage quoi. Alors, j'ai acheté, suite à vos conseils, du détachant K2R. Donc, j'espère que c'est celui-là. Dites-moi si c'est celui-là, en espèce de bombe bizarre, là. Un truc à graffiti, là. C'est du détachant avant lavage, donc efficacité sur les taches incrustées, taches colorées, taches protéinées, taches grasses. Je savais même pas qu'on pouvait dire qu'il y a des taches protéinées, mais bon. Ah, protéinées, c'est herbe, chocolat. Et coloré, c'est la sauce, le curry et tout. Bon. Mais écoutez, on verra. J'en ai pris. C'était 3 euros et quelques. Donc bon. Pour du détachant, ça va. J'ai racheté des sacs poubelles Alien, donc je prends toujours la sous-marque et l'emballe. Ils sont très bien. Ensuite, j'ai acheté du truc pour le sol, hein, du détergent pour le sol, comment ils appellent ça, nettoyant sol et surface. Donc je prends la marque Chez Moi, parce que c'est une marque que je viens de découvrir. Et en fait, quand j'ai lu au dos, j'ai vu que c'était fabriqué dans ma région. Donc, c'est fabriqué très proche de là où j'habite, quoi. Donc, je me dis que... Enfin, dans un rayon de 30 km de là où j'habite, on va dire. Et je me suis dit que ça créait des emplois, quand même. Enfin, ça, du moins, si ça en crée pas, en préserve, en conserve. Donc, voilà, je me suis dit que c'était cool. Donc, produit de ménage fabriqué en France, donc qui plus est dans ma région, donc tant que ça peut conserver... Oh, je me suis fait illuminer par le soleil. Tant que ça peut créer des emplois ou en conserver, moi je dis oui. Donc voilà. Alors oui, c'est pas bio, etc. Mais voilà. On sait ce que c'est... Enfin, moi, je sais ce que c'est d'être dans des situations de travail précaires. D'ailleurs, j'y suis actuellement. Hein, mon contrat s'arrête le 31 octobre. Donc voilà, je sais ce que je vais faire de ma vie. Ça sent vachement bon. J'ai hâte de le tester. Hein. Bien que en fait, je sais pas vraiment si ça nettoie. Parce qu'en fait, chez moi, c'est quand même propre. Puisque en fait, je fais le ménage tout le temps. Donc, même si tu refais ça par-dessus, au final, t'as pas besoin non plus d'un super grand décapant
bah pour ça quoi, si tu le fais régulièrement. En bref. Donc voilà, nettoyant sol et surface, nettoie, dégraisse, parfume durablement, sans phosphate, sans EDTA, sans NTA, avec solvant d'origine végétale. Bon, bah écoute, on verra. Hein. Ah, j'ai vu agent de surface ionique, je sais pas ce que ça veut dire, je sais qu'il y a des trucs ioniques pour enfin, les sèche-cheveux. Les sèche-cheveux ioniques. Bah les sèche-cheveux GHD, ils ont un programme ionique et du coup ça abîme pas les cheveux, je sais pas quoi. Donc je me dis, je sais pas si ça a un rapport, mais en tout cas, ça sent super bon. J'ai pris au parfum apaisant de fleurs de coton, idéal dans les pièces à vivre. Donc voilà, c'est ça. Donc ça c'est très très cool. Je suis contente. Ensuite, j'ai pris du Neutracal Détard 33 en 1, 2 euros. Désodorise. Donc ça c'est Eau Écarlate qui fait ça, donc faut mettre ça dans la machine à laver et on la fait tourner sans linge, sans rien, et ça détartre un peu la machine à laver, parce que franchement je sais pas comment c'est chez vous, mais quasiment moi tous les 15 jours faut que je fasse ma bouilloire au vinaigre blanc, parce que sinon même quand je la fais au vinaigre blanc, j'ai tout le calcaire qui remonte parce que ça décape. Tout le calcaire est remonté, c'est un truc de fou quoi. Je retrouve ma résistance, elle est aluminium, alors que dès que je mets de l'eau, elle devient blanche. Je vois même pas qu'elle est aluminium quoi. Donc je me dis que à mon ami, je voudrais pas être à l'intérieur de ma machine à laver, donc je vais lui faire ça, ça va pas lui faire de mal. Et je vais faire aussi, parce qu'on peut aussi mettre dans le lave-vaisselle. Donc voilà, je vais aussi en mettre un dans mon lave-vaisselle, parce que quand même, l'électroménager ça coûte cher. Donc voilà. Ensuite, j'ai racheté du liquide vaisselle. Donc je prends toujours la marque Labrevère, sauf la dernière fois, il n'y en avait plus. Donc j'avais pris la marque Univers, qui est très bien aussi, mais je préfère celui-là. Donc je prends Labrevère spécial biberon aussi. Donc voilà. Je prends ça, ça sent rien de particulier. Quoi. Non, ça sent rien. Ça sent rien, donc voilà. Ça me convient. Spécial biberon, je sais pourquoi j'achète. Vous savez pourquoi j'achète du spécial biberon? Parce que toujours plus ou moins quand on lave des biberons, toujours il y a peut-être encore une petite pellicule de détergent. Et du coup ça, je pense que ça donne pas de goût et ça doit se rincer plus facilement. C'est pour ça que je pense que c'est ça. Ensuite, parce qu'après, je dois vous parler de quelque chose. J'ai racheté des cotons Maxi Duo, parce qu'avec mon programme Fidélité EIO et tout, j'ai du mal à m'y faire hein, ce programme-là, parce qu'avant c'était on n'achète qu'un 15 produits marque père, on a 1 euro sur la carte. Je savais qu'à la fin de l'année, j'avais forcément 50 euros sur ma carte à la fin de l'année. Voilà quoi. Il n'y a plus ça, donc on a des espèces de promos qui débarquent. Donc là j'avais 40 centimes sur un paquet à 1,80€, 40 centimes de remboursé. De réduction immédiate. Voilà, donc du coup j'en ai pris deux. Voilà. J'ai racheté de la Javel parce que j'en avais plus, et la Javel c'est mon Graal. En fait j'en mets énormément dans mes toilettes, en fait. J'en mets tout le temps dans mes toilettes. Je sais pas pourquoi je suis psycho avec ça, mais j'en mets tout le temps. Voilà. Ensuite, donc moi aussi j'ai vu la vidéo de Magali. Et ces produits-là, j'avais déjà vu la pub, donc Magali c'est la chaîne par anti-âge. J'avais déjà vu la pub de ces produits-là, mais ils n'existaient pas dans mon Leclerc. Et là, je ne sais pas pourquoi, cette semaine, ils sont là et en promo. Donc je pense qu'ils sont là en phase de test, à mon avis, pour voir si ça plaît aux gens ou pas. Et donc du coup, il y avait toute la gamme en promotion, donc à moins 40% je crois. Donc du coup, j'ai pris toute la gamme. Donc c'est la gamme You Puissant Naturellement. Donc nettoyant, désinfectant, toute surface fabriquée en France, actif d'origine végétale. Donc il y a ça et il y a une recharge qui va avec. Donc j'ai pris celui-là. Donc c'est le nettoyant, désinfectant, toute surface. J'ai pris nettoyant cuisine ultra dégraissant. Donc toujours fabriqué en France, toujours avec la recharge quand il sera fini. Donc voilà, ça c'est cool.
J'ai pris le désinfectant WC. Alors ça, c'est, je pense que celui-là, ça va être mon chouchou. Celui-là. Et celui-là, ça va être les deux chouchous, je pense, parce que moi, il est, je sais pas pourquoi, dès que je vois désinfectant, je sais pas pourquoi je me sens plus, j'adore, j'ai envie de vider toute la bouteille. Oui, oui, ça va pas bien. Donc voilà, désinfectant, détartrant WC, donc celui-là, je sais que je vais le kiffer, je pense que ça va devenir mon chouchou. Donc je suis trop contente qu'il vienne de le sortir dans mon magasin, parce qu'avant, il n'existait pas dans mon magasin. Il fallait que j'aille dans un magasin à Caen. Pour les voir, mais je les avais jamais testés parce que c'est quand même pas donné. De base, ils sont à 4 euros et quelques, donc bon, c'est pas quand même pas donné. Donc voilà, je suis contente parce que là, je les ai eu à 2,10€, donc je suis ravie. Donc voilà, ensuite, j'arrête pas de dire donc voilà, c'est insupportable. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça sort d'où? J'ai un truc qui sort de je sais pas d'où. Ah, c'est ça, ça s'est cassé. Enfin, faut que je le remette, faut que je le revisse. J'ai pris le nettoyant salle de bain anti-calcaire. Donc comme je vous le disais, chez moi, il y a énormément de calcaire. Donc voilà, et il y a toujours bah, du coup la recharge qui va avec. Oh non, il est cassé. Je ne pourrais pas m'en servir, il est cassé. Ah, oh, je suis deg. Comment je vais faire? Faut que je le recolle, mais si je le recolle, ça va plus marcher. Et en plus, c'est trop bien. Je viens de voir sur le truc, en fait, il y a un truc comme ça, un petit diffuseur. Je sais pas si vous allez bien voir au niveau de la... Il y a un petit diffuseur comme ça et on peut l'ouvrir pour que ça fasse un gros diffuseur. C'est trop cool. C'est cool. Sauf que je l'ai cassé, je suis dégoûtée. Oh non, mais c'est pas grave. Parce que de toute façon, c'est qu'une pompe. Je pourrais inverser une autre pompe. C'est pas grave. Ou alors, je vais essayer de le recoller. Je sais pas ce que j'ai foutu. Ensuite, mais c'est pas fini, j'en ai marre. J'arrête pas de tout faire tomber. J'ai racheté de la litière pour mon chat. Donc comme d'habitude, il y a des palacates Sam, évidemment. Donc j'ai envie d'essayer la Sanicat Hygiène Plus. Donc voilà, c'est celle-là. Elle a l'air de ressembler fortement à la Cat Sam. Donc voilà, elle peut servir pour plusieurs chats, moi j'en ai qu'un. Tac tac tac, ultra absorbant, odeur contrôle et stop aux bactéries. Donc stop aux bactéries, j'ai un peu du mal à y croire, mais bon. Voilà. Et le dernier truc que j'ai acheté 3 kilos de croquettes pour mon chat. Donc c'est pour ça qu'aussi que au niveau des courses, ça monte très haut. Parce que j'ai déjà ça qui coûte 8 euros et quelques et j'avais 1 euro avec mon programme fidélité sur les Purina One. Donc voilà, parce que j'achète que du Purina One pour mon chat, parce que madame est difficile en plus. Donc voilà, et je lui ai pris au poulet parce que c'est celle qu'elle préfère. Voilà. Donc en tout et pour tout, j'aurais dû en avoir pour 152,14 €. Avec mes bons de réduction EIO, le programme fidélité de la carte de la marque repère. J'ai eu 2,25 € de bons, donc il me restait 149,89 €. Et j'ai eu 11,86 € de bons immédiats, donc sur les désinfectants You, etc. J'ai eu 1,10 € à chaque fois. Donc voilà. Ouais, voilà, c'est tout. Et sur ma carte, j'ai mis 1,96 €. Donc voilà. Ah, mais non, c'est parce que je sais pourquoi je vous dis ça, j'ai oublié de vous montrer les boissons. Donc les boissons, c'est comme d'habitude. J'ai acheté j'en ai acheté deux comme ça, du Jaffaden Tropical pour JD. Donc c'est ça. Il y avait 20% qui revenait sur la carte. Et un pack de cola comme ça. Donc en sous-marque, hein, comme d'habitude. Donc voilà, c'est pour ça que ça monte autant. Donc j'avais 72 centimes qui revenaient pour mon pack de cola, de coca sur ma carte. 52 centimes. Qui revenait pour ça. Les dés de jambon, j'avais 19 centimes. Et les cordons bleus, j'avais 25 centimes par pack. Donc 50 centimes. Du coup, j'ai mis 1,93 €. Donc voilà. Et mon cumul disponible, il est de 10,04 € parce que des fois, je l'utilise. Donc voilà, je ne sais pas combien j'ai cumulé cette année en tout. Mais je sais que l'année dernière, j'ai cumulé, c'est écrit. En 2016, vous avez obtenu en tout, grâce à la carte Leclerc, 104,25 €. Donc 104 €, c'est quand même pas mal. Donc voilà, je pense que tous les ans, je suis à peu près à 100 €.
de cumuler sur ma carte. Donc voilà, ce retour de course interminable est maintenant terminé. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des produits que vous connaissez, s'il y a des produits que vous connaissez pas, etc. Ce que vous achetez, etc. Moi, j'aime bien discuter avec vous. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à mettre un petit pouce en l'air sur ma vidéo. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.